Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Hein. Je vous ai parlé dans les lives. Donc pour ceux qui me suivent, qui sont nouveaux, qui me disent ah, il y a des lives, etc. Oui, il y a des lives. Donc le vendredi soir à partir de 17h30 jusqu'à 20h. Le samedi ouais, je vous dis une marge, hein, mais ça se peut que ce soit pas ces heures-là. Hein. Ça dépend ce qu'on peut faire. De 13h jusqu'à 20h, d'accord? Et de dimanche, même pareil que samedi, 13h-20h, d'accord? Là aujourd'hui, on va parler un peu spécial de mon entreprise. J'en ai parlé en live, hein? Alors ça n'a pas tilté, mais bon, j'espère que voilà. L'entreprise se trouve sur les deux versions d'ATS et ETS. Oui, je parle d'ATS et d'ETS, hein, parce qu'on n'est pas sur FS, etc. Donc je vous montre, c'est le même logo et le même logo de l'entreprise, d'accord, et le même transport. Hein. Vous voyez ici transport QSR, donc c'est le transport, c'est l'entreprise qui s'appelle comme ça. Pareil pour ETS2, parce que là on est ETS2 et là on a ATS, hein, vous voyez, d'accord. Donc c'est moi le patron, d'accord. Là c'est une annonce, mais c'est aussi une présentation sur le truc. Pour ceux qui veulent venir, il faudra vous inscrire, d'accord? Vous inscrire. Il faut savoir que le lien des entreprises ATS et ETS ne seront pas sur cette vidéo, ni l'autre qui va être la candidature, comment ça va se passer. Elle sera sur la dernière vidéo, la troisième, qui sera de l'entreprise, comment ça a marché après la candidature, d'accord? Donc ici, vous voyez, j'ai déjà commencé à rouler. C'est pour ça que si vous m'entendez prendre des photos de chaque truc, c'est pour que je puisse noter des fois je note sur un cahier les marchandises pour que je vois que ce soit bien les bonnes photos, etc. Donc vous voyez, j'ai déjà rapporté sur ETS 58 000 euros et là 20 000 euros. Bon, vous êtes payé une misère parce que l'entreprise, j'ai refait une entreprise, hein, j'ai recommencé les deux entreprises. J'ai eu un petit problème. Ça, c'est j'ai fait avec Photoshop. Donc l'entreprise, elle est basée pour ATS à Los Angeles en Californie, d'accord? Ici, vous avez les règles. Donc voilà. Bon, bonjour, voilà, je veux pas vous les lire. D'accord, je vais vous lire sur l'autre. Voilà comment ça se passe. D'accord? Donc là, il y a en dollars, mais bon, j'ai mis en kilomètre-heure, mais c'est la banque, voilà, elle est en dollars parce qu'on est en Californie, mais j'ai pas mis les masses, etc. Mais je peux changer, je pense pas. Et là, vous avez le camion que j'ai choisi, donc j'ai pris le camion que j'ai acheté, le premier camion. Donc voilà, vous voyez, Mi Gaming, donc c'est moi, patron, chauffeur, d'accord. Donc là, je suis à moins parce que, comment dire? Parce que j'ai eu des petites amendes, j'ai eu deux infractions qui ont coûté pas mal cher à l'entreprise a pas mal déboursé. Donc voilà comment ça a marché. Donc vous avez tout ce qui est à peu près sur moi. Vous avez mon logo, mon devise, donc manger du bitume, hein, je suis niveau 4, mon Peterbilt, machin, etc. Après, si je veux, je vais sur l'entreprise et je suis patron. D'accord? Voilà, donc vous avez tout. Je vais vous parler après de tout ça, comment ça marche. Donc il faut vous créer un compte. Donc là, on va aller sur ETSE. Vous créez un compte. Bon, moi, je le fais. Bon, là, je suis connecté, mais si j'étais pas connecté, VTM Live, vous tapez VTM Live. D'accord. Je vous montre, hein. Désolé si ça lag un peu. Hein. Manager All-in VTC véhicule. Je sais plus ce que c'est. Toit de véhicule. Voilà. Donc, bon, là, il me dit que je suis encore connecté, mais je ne voulais pas. Bon, c'est pas grave. En fait, quand vous arrivez, il faudra soit vous connecter si vous avez un compte, soit vous créer un compte. Donc, en cliquant une fois ici, tac, tac, tac. Bon. Là, c'est mes profils, mais imaginons qu'il y a connecté, il y a, si vous voulez vous connecter, donc je sais plus Link ou je sais plus quoi, sur Link, je sais plus quoi, ou registre, d'accord. Donc ici, vous avez, donc là, quand vous connectez, vous avez votre nom sur votre nom du chauffeur, donc vous, le chauffeur qui est vous, hein, chauffeur. Vous avez votre profil si vous voulez modifier des trucs.
Mes entreprises, si vous avez ouvert une entreprise ou plusieurs, j'accepte les entreprises, mais c'est des entreprises où vous avez une team. D'accord? Donc les entreprises, c'est si vous avez une team où vous mettez des amis dedans, mais pas des inconnus. Voilà. Pour vous comprendre un peu plus. Mais voilà. Donc vous avez les options après. Donc les options, se déconnecter. Là, je peux vous montrer, déconnecter, voilà. Vous arrivez, vous n'avez pas ça. Hein. Voilà, vous avez ça, et puis voilà. Et puis, vous pouvez cliquer sur ETS2. Sinon, tout en bas, vous avez ETS2 version et ATS. D'accord? Là, voilà. Vous pouvez soit vous connecter. Donc, connexion, bon, moi, c'est en français, ça dépend quelle langue vous avez, ou s'inscrire. D'accord? Donc, moi, je vais fermer ça parce que c'est la même chose. Donc, quand vous venez sur l'entreprise, vous savez le siège social qui est basé. Bon, moi, il était clairement que je vous avais dit, mais la partie n'a pas voulu se connecter sur le jeu que j'ai acheté, donc ETS2. Donc là, il est à Lyon, donc en France, à Lyon, d'accord. J'ai recommencé une nouvelle partie et j'ai pas vu mettre les DLC. Bon, bah, sur l'autre partie, j'ai pu, hein, je vous explique, la partie, j'ai pu y jouer sur l'autre fichier 1.6 de TS, d'accord, avec les DLC, etc. Donc il marche. C'est juste que ça met la version 1.31.6 et celle de Steam où j'ai acheté le jeu 1.32.6. Voilà, donc ici, voilà, vous savez tout, vous savez le personnel de direction. Donc moi, le patron, vous avez second, vous avez manager. Et ça, par la suite, c'est quand, par exemple, vous ferez beaucoup de kilomètres, machin, etc. Le premier qui va gagner sera pendant un mois, comment dire, pendant un mois, sera soit second, je verrai, second, donc s'il va s'occuper de l'entreprise pendant un mois, des candidatures, etc. Mais avant de vraiment l'accepter, il faudra ma demande à moi. D'accord? C'est pour ça que j'ai créé une adresse mail spéciale pour transport qui est le transport QCR. Donc j'ai créé une boîte mail pour les entreprises. Donc pour ceux qui ont un TS, ils auront la même entreprise que sur ETS. Désolé, je me mouche 2 petites minutes. Voilà. Donc, vous savez tous les statistiques, le classement. Donc, là, c'est le classement par kilomètre. D'accord? D'accord? Comme je vous ai dit, vous pouvez cliquer sur les personnes. Tac, à combien ils sont. Donc, moi, je suis à 196 euros. Hein. Voilà, je suis niveau 11. Donc, voilà. Vous avez tout à peu près, que ce soit ATS et ETS. Donc là, vous avez, quand vous avez, lisez bien les règles. Donc je vais vous les lire. Bonjour, bonsoir. Donc ça, c'est la politesse si si c'est le soir ou la journée, hein, comprenez? Donc bonjour, bonsoir. Je suis une entreprise qui se nomme Transport QCR. Donc voilà. Bon, je vous le dis bien. Qui veut dire qualité sans retard. Donc ça peut être aussi, je sais plus. Il y avait un autre truc que j'avais trouvé en tête, mais bon, moi j'ai trouvé celle-ci dans la tête en premier, donc elle reste celle-ci. Si vous venez poser une candidature, votre entreprise ne doit pas avoir d'employé, le seul employé c'est vous. Alors, je dis ça, le seul employé c'est vous, mais ça peut être aussi si vous avez des entreprises où il y a votre team. Donc, si vous avez une team déjà et que vous postulez en candidature dans mon entreprise, si c'est une team, c'est bon, si c'est des amis, c'est bon. Mais si c'est des abonnés ou des personnes, voilà, qui ont vu votre truc et puis qui sont mis dans la candidature, vous n'êtes pas accepté. Voilà. C'est juste celle requise pour vous. Ah merde, attends. Ouais, c'est bon. Alors, là j'ai dit qu'il y a un problème. Bon. Alors, vous serez surveillé tous les jours. Oui, pour voir. Tous les jours, vous serez surveillé sur les trajets, accidents, les rapports et tout. Mais des fois, vous serez tapé sur les doigts. Que ce soit pas moi, que ce soit moi ou que ce soit un second, un patron, d'accord, que je nommerai, on verra, pour un mois, comme je vous ai dit. Et le deuxième gagnera manager. Et voilà, lui aussi donnera son avis.
Le siège de l'entreprise se trouve à... Alors là, j'ai oublié, il est à Clermont, mais il est à Lyon. Hein. D'accord? Vous êtes libre de rouler soit avec moi, soit en mode solo. Donc, quand je vous dis, vous avez le droit, quand vous roulez pour l'entreprise, de rouler avec moi, donc de ne pas faire bêtises, de rouler sérieux avec moi, hein, respecter les limitations. Ou en mode solo, donc soit en mode solo, vous pouvez rapporter de l'argent pour l'entreprise en mode solo, carrière solo, ou en multi, mais en mode solo, c'est-à-dire que vous ne roulez pas avec moi, vous faites votre petite livraison tranquillou, sans faire d'excès de vitesse. Bon, ouais, vous essayez de pas faire d'excès de vitesse, mais ça peut arriver, hein, une intention, puis voilà. Hein. D'accord? Alors, je n'accepte aucun quiconque, donc tous ceux qui sont des quiconques, vous pouvez partir d'ici. Hein. Je n'accepte aucun quiconque qui me feront chier pendant les trajets en multi, ça veut dire qu'ils me foutront des dégâts alors que j'essaye de gagner de l'argent tranquillement sans cheater. Hein. J'aime pas le cheat, alors voilà. J'aurais fait, je le fais parce que pour tester des modes et des trucs comme ça, c'est tout. Ou sinon, vous serez viré de l'entreprise. Donc voilà, si vous êtes accepté pour un moment, vous faites le con. Voilà. Hein. Vous êtes viré. Vous devez désigner un camion que vous conduirez, donc qui roulera pour l'entreprise uniquement. Donc, un camion, en fait, vous choisissez un camion. Donc, imaginons, moi j'ai le Scania S, donc voilà, et c'est le camion de l'entreprise. Donc, c'est le camion que je conduis tous les jours, ce sera le camion de l'entreprise. De toute façon, vous aurez plein de choses qui va arriver pour la candidature, ça je vous dirai après pour le. Pour ce qui est de l'entreprise, donc par exemple, moi j'ai mon Scania, bah vous mettez votre Scania. De toute façon, vous aurez plein de choses qui vont arriver dans votre boîte mail, hein, mais vous allez voir après. Voilà, donc PS, pas besoin d'avoir les DLC. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter les DLC, vous pouvez venir dans l'entreprise, il n'y a pas de problème. Pour l'entreprise, respectez le code de la route, 90 km/h maximum. Donc, ça, c'est la vitesse. La vitesse que tous les chauffeurs doivent rouler normalement. Après, bon, vous pouvez enlever le limiteur, il n'y a pas de problème. Si admettons vous aimez pas rester à côté d'un autre joueur sur un multi ou en solo, hein, et vous voulez rouler un tout petit peu plus vite, voilà, tant que vous ne faites pas choper par un radar, voilà. Et tout ce qui est frais de réparation, péage, carburant, ne doit pas dépasser 20% de la cargaison. D'accord? 20% des cargaisons, ça dépend le tarif de la cargaison que vous prenez. je vais vous montrer après dans les trucs. Voilà. Donc soyez prudent et n'oubliez pas de mettre dans votre candidature votre mail pour se contacter. Merci cordialement. Donc, vous mettez votre adresse mail, hein, je le garde de côté, personne ne le verra. Et pour que je puisse vous envoyer deux, trois petites informations, que je vous parle un peu de tout, un peu de plein de choses, voilà. Donc, ça c'est côté entreprise. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est le mail. Donc là c'est les règles. Donc j'espère que. De toute façon, vous pouvez les lire de côté, hein, si vous voulez. Vous pouvez commencer à trouver mon entreprise et faire une candidature. Mais je vais pas vous accepter avant de la troisième vidéo. Désolé, donc voilà. Ça c'est une règle. Donc je le remodifierai parce que c'est à Lyon. Et l'autre c'est à Los Angeles. Voilà. Donc là vous avez tous les trajets. Donc ça c'est tous les trajets qu'on avait fait. Donc on avait fait en live, hein. De toute façon, il y aura là à l'heure de vous voyez cette vidéo. Moi, pour moi, j'ai pas fait le live de dimanche, mais oui, il sera passé, d'accord. Alors, si vous voyez qu'il y en a 12 et j'en ai fait plus, j'en ai fait plus, c'est normal. Voilà. Donc là, vous avez tous les trajets. Alors, c'est dans l'ordre de décroissant. Voilà. Donc, le premier trajet, c'était bien le premier trajet que j'ai fait. L'entreprise, c'est de Lyon-Dijon, et là je suis à Bratislava en Linz. Voilà pour un chariot élévateur. Donc vous pouvez cliquer ici. Donc tous vos trajets sont voilà. Donc les charges, donc là c'est le salaire. Donc le salaire il est minimum parce que pour l'instant c'est pas une entreprise qui évolue, je suis tout seul.
Mais plus je vais évoluer, plus je vais gagner de l'argent, plus le tarif va être plus cher. Donc là, vous avez tous les renseignements. En fait, quand vous roulez, c'est automatique. Mais pour ça, pour que ce soit automatique, il faut avoir VTM Live, l'application que j'ai moi sur mon bureau, que je vous expliquerai. Donc ça, c'est voilà, vos commentaires, vous mettez s'il y a eu des problèmes, si quelqu'un vous a foncé dedans, etc. Hein, qui n'est pas, en fait, quelque chose que vous voulez mettre, mais qui n'est pas sur le truc, vous le mettez, d'accord? Ça c'est automatique, donc quand vous faites votre trajet, c'est automatique. Voilà, ça marque. Moi, je regarde, je calcule. Si ça dépasse les 20, alors je dis 20%. On va prendre une chose. Là, on a 6050 euros, d'accord? Vous, donc le salaire ne compte pas, hein. Les charges, c'est pendant votre trajet. Vous avez 20%, ça fait 1200, ouais, 1210 euros. D'accord, vous avez 1210 euros de frais maximum. D'accord, après, je vous laisse une marge de 1000 euros, donc ça vous fait 2210 euros. Mais c'est pas le but. En fait, il faut pas dépasser les 20%. D'accord? Donc après, moi, je vérifie. Si ça dépasse les 20%, c'est refusé. Donc, vous n'êtes pas payé pour le trajet. D'accord? Donc là, il a accepté. Mais c'est très simple. Et si vous pouvez, machin, là, vous pouvez ajouter un trajet. Si ça n'a pas été ajouté, vous ajoutez un trajet. Voilà. Mais moi, c'est automatique. Après, j'ai juste à vérifier si c'est bien, tout est bien. Les garages et maintenance. Donc moi, il y a deux rapports de maintenance. Donc là, c'est le deuxième. Donc là, ça c'est le plein. Donc 600 euros. D'accord. Faut mettre tous vos rapports. Donc rapport de ce qui n'est pas automatique, ça veut dire ce qui est maintenance, réparation pendant votre trajet et les frais d'essence. Voilà. Moi après, je vais calculer. Si je refuse le trajet, c'est que vous avez dépassé le truc. Donc je refuse ça, je refuse plus les centres de maintenance, etc. Et rapport. Donc faire sur ajouter, rajouter un rapport, c'est pas automatique. Et rapport d'incident, vous ajoutez pareil, ajoutez. Et là vous avez tout. Donc là j'ai un feu rouge grillé, accès de vitesse, contresens, accident. Donc sans faire exprès, hein. Mais vous êtes pénalisé, hein. Là, le dernier, c'est bon, là, mais bon, incident, je pense que c'est les gains que j'ai perdus, je pense. 550 euros, d'accord. Donc voilà pour les trucs. Donc ça, il faut faire manuellement, que ce soit garage, incident. Et ça, c'est automatique. Mais si, admettons, il y a un trajet que vous avez photographié qui n'est pas mis, vous pouvez l'ajouter. Pas de problème. D'accord? Donc là, voilà, vous avez le chauffeur. Après, moi, de mon côté, j'ai l'administration. Donc là, j'ai le rapport. Là, j'ai les rapports. Ça va être les rapports de vous, employés, etc. Ça, c'est les employés. Donc là, il n'y a que moi. Tac. Nickel. Il n'y a que moi. Deux livraisons, gain, machin. Voilà, c'est tout. Je peux licencier. Et sinon, je peux le renommer en que je veux. Quand je suis patron, je peux pas, parce que c'est moi-même le patron. Mais vous, par exemple, vous serez chauffeur de base. Et si en un mois, le premier qui gagne, ben, il sera second. C'est lui qui va m'aider, qui va s'occuper de l'entreprise si moi je suis pas là pendant un petit moment. Et manager, c'est pareil, d'accord? Mais avant de valider vraiment la candidature, passez par moi. C'est juste les rapports. Que vous vous occuperez des rapports, vous pourrez les accepter. Si ça dépasse les 20%, c'est refusé. Donc trajet plus accident, c'est refusé, etc. Donc là, il y a les finances. Donc vous êtes payé une misère au début, hein, mais vous inquiétez pas, c'est que l'entreprise commence. Là, vous avez les candidatures, donc j'en ai qu'un. Et là, c'est les règles. Donc là, je vais juste. Il y avait Clermont normalement. Là, je vais mettre Lyon. Voilà. Lyon. Et là, je vais enregistrer Lyon. Ok, donc voilà pour cette vidéo. Hein. Ça, c'est juste une annonce et pour vous expliquer.
Mais pour ceux qui viennent, donc vous avez un compte à créer, etc. Et après, vous avez. Alors attendez, je remonte dans mes entreprises. Donc là, il y a mes entreprises que je peux débloquer. Et si je travaille ailleurs, si vous ne, si vous ne travaillez dans aucune d'autres entreprises, voilà. D'accord? Donc, quand vous arrivez, paf, vous me cherchez. Donc là, normalement, je pense pas que je sois en recrutement, mais peut-être à la dernière vidéo, je serai en recrutement, je suis pas sûr. Donc voilà. Et normalement, ça a dû modifier que j'étais à Lyon. Se trouve à Lyon. Voilà. Donc voilà. Mais il faudra télécharger VTM Line. Donc dès que vous le téléchargez, alors ça va mettre un message d'erreur. Vous inquiétez pas. Vous en faites pas. Vous ne prenez pas compte. Vous le téléchargez quand même. Voilà. Donc là, vous avez ATS, ETS. Vous avez VTM Line. Donc comment l'installer? Je vais vous montrer qu'il marche bien. Voilà, lancement machin. Donc voilà. Alors là, vous avez login et puis vous choisir la compagnie, c'est-à-dire ATS, ETS. Donc moi, je peux le faire, hein, login Mi Gaming, hop, et ETS Transport QCR, ATS Transport QCR, d'accord? Après, vous avez Setting, c'est où votre jeu est mis. Donc, ATS, moi, c'était sur mon disque dur. Et ça, c'était sur Steam dans le disque dur aussi. Donc, et vous faites Install Plugin. Si vous ne savez pas, vous pouvez faire clic droit. Alors, moi, c'est des raccourcis, je pense pas. Donc là, vous avez rien. Et là, vous avez juste. Alors, quand vous travaillez, quand vous roulez pour l'entreprise, il faut savoir que là, je vais vous montrer. Il y a aussi Truckbook. Hein. Vous pouvez venir aussi pareil pour Truckbook. Par contre, si vous venez. Vous êtes sur VTM Line et que vous envoyez votre candidature sur Truckbook et que vous, et on voit que vous êtes déjà inscrit sur, vous êtes déjà accepté sur VTM Line, il n'y aura pas besoin de faire candidature, vous envoyez des trucs, etc. Si c'est le même camion, etc., c'est bon. Et nous, boum, on vous accepte. Donc là, en fait, j'allume les deux parce qu'il y en a un. En fait, tous les deux vont aller automatiquement, c'est juste que lui. J'aurai tous les trajets affichés. Lui, c'est juste que lui, ça sera ouvert, ça va être tous les fiches, tous les trajets que je vais faire, toutes les livraisons que je vais faire, ça va être enregistré automatiquement sur le site VTM Line. Donc, quand vous roulez, avant d'allumer votre jeu, allumez VTM Line, faites login, choisissez la compagnie que vous voulez rouler et vous fermez pas. Alors, si vous avez un petit PC comme moi, c'est pareil pour celui-là, donc vous faites ça. Alors, il n'est pas dans la barre des tâches, alors que VTM Line, il est dans la barre des tâches. Voilà. Vous ne le fermez pas, vous le mettez comme ça, et puis vous faites votre jeu, vous jouez, machin, etc. Automatiquement. Je vous conseille de prendre, ben ça je vous verrai après, ce sera pour la troisième vidéo. Et si vous voulez retrouver Truckbook, vous appuyez une fois, et bim, vous l'avez. Donc voilà, bon, moi je ne l'ai pas. Alors, si vous voulez fermer client Truckbook, oui. Je vais vous montrer, ça c'est automatique aussi. Mais ce qu'il rajoute, ça rajoute les pourcents les dégâts et trucs. Donc, truc que j'adore. Je vais vous montrer. Je vais pas, la vidéo, je ne vais pas la faire durer longtemps non plus. Paramètres de Truckbook. Voilà. S'il veut bien. Voilà, je vous montre. Hein. De toute façon, tous ceux qui sont sur le timeline et qui viennent pour le Truckbook, vous pouvez venir. Donc, ici, vous pouvez venir, vous serez accepté direct. Par contre, les nouveaux, voilà, vous aurez comme dissoudre l'entreprise si on veut. Voilà, donc il n'y a que moi, d'accord, qui roule. Vous voyez, tous mes trajets sont enregistrés. Donc le dernier, c'est celui-là. Alors lui, c'est dans l'ordre, alors que c'est dans les ordres. Vous pouvez voir les détails. Alors les détails, vous avez tout, les entreprises et tout, les kilomètres. Ça peut marcher aussi bien. Donc vous avez tout, 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 hein. Ça peut marcher aussi bien sur une nouvelle carte que sur, sauf que vous n'aurez pas les drapeaux parce que peut-être que ah, ça dépend les maps, hein, ça dépend si c'est la map pro mode, ok, d'accord. Mais si c'est une map qui peut pas mettre le logo, voilà. Mais bon, il vous mettra quand même le trajet. Et vous avez tout ce qui est expliqué. Donc moi sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo. Putain, on a 25 minutes. Donc moi je vous dis à très vite et n'hésitez pas à faire un don. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À tous tout le monde!